Enfin YouTube, je suis Suzuki et je suis très content de vous retrouver pour un let's play sur Roller Champions. Roller Champions. Quel jeu mes amis, putain je suis rose, je voulais augmenter ma lumière. Roller Champions. Un jeu d'ailleurs qui est en version Xbox One uniquement. Pas d'optimisation Xbox Series S spécifiquement, c'est un peu dommage. N'est-ce pas, Ubisoft? On a déjà parlé? J'espère qu'il est en 1080p, j'espère qu'il tient mieux la... Donc ils ont mis une résolution dynamique et que comme ça rame moins, ça va tenir mieux 1080p. Bon, pour l'instant, ça va, en vrai. Ubisoft Original. Pourquoi il n'y a pas de musique qui m'accueille? Roller League. Ah, enfin. Petite musique. C'est, j'étais parti pour essayer de me faire un perso un peu sexy, mais en fait c'est unisex quoi. C'est perturbant d'avoir que des... des persos androgynes là, c'est... Écoute, ok. Bah les couilles, hein, je veux dire... Enfin bref. J'aurais préféré ne pas personnaliser mon personnage si j'ai pour qu'il ressemble à ça. Bienvenue dans Roller Champions. Le skatepark est l'endroit parfait où commencer ta carrière. Tu peux y retrouver tes amis. Tu peux peaufiner les techniques que t'as apprises et tu peux revenir aussi souvent que tu veux. Alors n'hésite pas à en profiter, hein. On va quand même commencer par les bases. Pour commencer, nous allons faire un tour du skatepark. Et maintenant, commence à patiner. Oh! La vitesse de tes déplacements est fondamentale. Alors il va falloir maîtriser la technique du piston. Tu connais la technique du piston? Tu fléchis les jambes dans les descentes et tu laisses faire la gravité. Eh, va pas croire qu'il suffit d'être bon sur les patins pour devenir un roller champion. Il est également indispensable de dominer les airs. Allez, alors vas-y, eh ben essaie de sauter! Maintenant, on va respirer, on va ralentir un peu. Alors, tu vas t'entraîner à freiner pour mieux contrôler ta vitesse. Le tuto, c'est de la merde, vous savez ça? Surtout le tuto fermé, quoi. Champions est un sport de contact. Et si tu veux récupérer la balle, il va falloir apprendre à tacler et à esquiver. Pour l'emporter, devine. Tu vas devoir marquer. Tu vas donc devoir lancer la balle dans l'anneau pour faire monter le score. Alors vas-y, entraîne-toi à tirer maintenant. C'est pas évident. Dieu, ça me fait perdre patience. Et le pire, c'est que je pense qu'à la souris, c'est plus facile. Et puis si tu te dis, oh là là, ce serait chouette que je revoie les règles, tout ça, elle est sympa cette vidéo, bah t'hésites pas à consulter tout le machin dans le menu règles et techniques en cours de partie. Hein. Vas-y, ma colombe, hein, profite.
Et voilà, c'est fini l'initiation et boum, c'est... Dégage. Ça y est, ça me rappelle Knockout City. Il fait moins d'erreurs que Knockout City. Knockout City qui a fait la grosse erreur de sortir en version payante. Puis de dire, ah ouais, mais non, mais en fait, vous avez une démo, vous pouvez monter jusqu'au niveau 50. Les gens veulent pas jouer sur une démo. Donc la démo, ils auraient dû l'appeler Free to Play. Parce que leur problème. Et je crois que Knockout City a été repris par les développeurs d'origine qui ont repris le jeu à la place de Electronic Arts. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, plus personne va revenir sur Knockout City. Bah, faut tout remarketer, c'est trop compliqué. Et du coup, il y a eux qui arrivent. Alors, c'est pas le même principe que Knockout City, je trouve plus fun. Là, en fait, c'est un mélange de basket et de roller. Il y a des arènes rondes. Franchement, sur le papier, ça a l'air de défoncer. Les manettes en main, à chaque fois, je suis déçu, si tu préfères. J'ai une loot box, enfin une loot ball gratuite. D'acheter le pass sans voir qu'est-ce que c'est en fait. Un menu. Ah voilà le roller pass. Tout le monde veut copier Fortnite et tout le monde font des trucs où le season pass, tu te demandes pourquoi tu vas l'acheter. Ah, il est fini le battle pass. Partout ça près 2000 quoi. D'ailleurs 20 euros pour 20 euros pour ça. Ok, même Fortnite ils mettent pas des trucs aussi chers, putain. 20 euros t'as un pack. Ah, c'est peut-être un pack, tu me diras. Ah, ces trucs de motion capture, ça c'est marrant. C'est deux pour le prix. Ah non, c'est... Ah ouais, ok. On roule hip total, quoi. Je sais pas, donner des pièces à ceux qui commencent le jeu. Me donner envie plus tard d'acheter d'autres trucs, je sais pas. Par exemple. Il y a un skatepark. S'affronter dans notre arène standard en 3 contre 3. Les joueurs doivent marquer dans ce but avant la fin du temps imparti.
Au début de cette joyeuse rencontre, la balle est lâchée depuis l'un de ses piliers. Oh, le beau pilier! Regarde les lumières pour essayer de deviner où elle va arriver. Quand t'es assez proche, tu ramasses automatiquement la balle. Voilà, c'est facile ça. Et quand t'as la balle, elle prend la couleur de ton équipe. Bon, au début, le but, il est fermé. Reste bien avec moi là, parce qu'avant de pouvoir marquer, ton équipe, elle doit activer les quatre portes. Et la balle, elle doit franchir ses portes, pas n'importe comment, dans le bon ordre. Alors tu commences par la première porte à côté du but. Bon, sur les côtés de la reine, il y a des balises. Les balises, où se trouve la porte suivante. Puis il y a le compteur là qui affiche ta progression. Jusque là, ça va. Et petit plus, tu peux activer les portes dans n'importe quelle direction, dis donc. Mais c'est pas fini, tu peux aussi lancer la balle à travers une porte. Attention, plus qu'une porte, mais les bleus veulent cette balle. Ils essaient de tacler, ouh les vilains, mais les oranges parviennent à esquiver, ouh. Maintenant que la quatrième porte est activée, le but est ouvert et les oranges peuvent marquer un point. Mais les bleus ne comptent pas se laisser faire. Le tacle est réussi et les oranges perdent la balle. Ah, c'est ballot. Maintenant que les bleus ont la balle, la progression de l'équipe orange est perdue. Et voilà, retour au départ, ma colombe. C'est au tour des oranges d'essayer de récupérer la possession. Les oranges ont réussi leur tacle et remettent la main sur la balle. Comme leur progression a été réinitialisée, ils doivent réactiver la première porte. Attention, cette fois-ci les oranges la jouent collectif pour valider leur tour. Leur astucieux jeu de passe leur permet de dérouter l'équipe adverse qui sait jamais où la balle va aller et ils activent rapidement les portes. Eh malin. Une fois la quatrième porte activée, le but est ouvert. Charge ton tir pour atteindre la puissance maximale et c'est le but. Réjouis-toi, tu peux parcourir plus d'un tour. Après un tour, tu marques un point, deux tours, trois points, troisième tour, tu rapportes 5 points. La première équipe qui a 5 points, elle l'emporte. Pas compliqué, hein. C'était les règles principales. Et je peux te dire que si t'as compris tout ça, t'es prêt à devenir un vrai c'est intéressant, champion. Parce qu'en fait, tu peux faire 3 tours, mais le problème, c'est que tu peux perdre. Sur les 3 tours, tu vois. Si tu perds, du coup, c'est con. Qu'est-ce que c'est que le quotidien? Jouer des... D'accord. Marque des buts en match. Places à 4. Salut les filles, salut les gars, fans de roller. C'est joli, hein. Est-ce que vous êtes chauds? Nous sommes en direct de la superbe place d'Akamoto. J'aurais aimé l'optimisation de faire d'avoir du 120 FPS. La compétition va bientôt commencer. Alors, donnez-moi tout ce que vous avez. Faites du bruit. Faites du bruit pour Roller Champion. Souvent. Voyons voir si les oranges vont pouvoir concrétiser cette action. La balle
Marqué. Moi je fous des hypercutes à tout le monde. Un peu bizarre à jouer. 5, 4, 2, 1. Cette balle est supersonique. Mais j'en ai marre. Rattrape-la la balle! Alors mec, tu n'auras pas la balle. Mais le but n'a pas été pris. Dégage. Oh putain, je me suis foutu au sol. Oh je tout le monde. J'ai striké tout le monde là. Strikez vos mères. Laisse la balle tranquille, frérot. Mais... attends. Je trouve que c'est un peu casse-gueule comme principe, mais... Oh le salaud, comment il a fait pour me doubler? Et Orange termine un tour. Mais frérot, t'as tiré où là? Je veux bien que tu tires mal, mais quand même. Ah c'est pas des rigolos les Orange, ils vont pas se contenter d'un seul tour, hein, crois pas ça. Le commentateur est incroyablement insupportable.
En fait, c'est un jeu de catch. Oh, la belle victoire des Oranges! Oh là là! À vous dans les commentaires. Je suis curieux de votre avis. Vous pensez quoi de ce Rollers Champions qui est sorti aujourd'hui? Vous kiffez? Vous en foutez? Voilà, moi je suis curieux d'avoir votre avis sur ce Rollers Champions. C'est moi pour le moment. Ah bah qu'il faut que je l'achète. Ah d'accord. Garde la pêche. Gardez la pêche les forceurs là. Gardez la pêche les forceurs. Dans ma boutique vous mettez. Ah ouais d'accord. Ah non mais gardez la pêche. Garde la pêche. Ciao bye bye.